degrees. I bless them with a killer technique. That's something unique. Y'all say, miracle transcend the physical ever since the day that they cut my umbilical. Dedicated, committed, and focused on the core. Fell in love with the music. Salut, bienvenue sur Wapala, votre mag 100% Water Sports. Cette semaine, on part aux Canaries pour une session windsurf bien fat, puis direction du Brésil avec le Suprider électrique Zane Schweitzer. Et en dessert, un surf trip à La Réunion, mais tout de suite, c'est les news avec un gros contest de wakeboard. Allez, taupe! Ready? Let's go! Wake the Line, c'est un peu le top du top de la grosse tendance wake du moment, le pool jam. Le concept est simple, prenez une grande piscine, installez tout plein de modules de dingue à l'intérieur, mettez en route un câble au milieu et jetez dans l'arène les meilleurs mondiaux de la discipline. Avouez que ça envoie, et en plus pour une fois, le slip de bain et le bonnet ne sont pas obligatoires. Côté résultat, victoire de Raph de Rome en wakeboard et du fameux Reed Hansen en wake skate. Quand un gros swell est annoncé sur l'archipel des Canaries, notre globe surfeur préféré Stéphane Etienne n'est pas loin. On est à Puerto Viejo. Et cette fois-ci, c'est en windsurf qu'il a décidé d'affronter les éléments. L'autre local qui vient le rejoindre dans les mousses, c'est Yannick Anton. Ces deux chargeurs de gros sont des habitués du spot, et dans ces conditions, il vaut mieux connaître les lieux. Quand on sait qu'un mât de planche à voile mesure à peu près 4 mètres, je vous laisse apprécier la taille des bébêtes. À l'occasion de la Coupe du Monde de stand-up paddle au Brésil, il y a quelques jours, tout le team Starboard était réuni. Et on ne peut pas dire que la marque n'a recruté que des manchots. Vous me direz, pour ramer, ça peut être un peu gênant. Bref, on s'intéresse cette semaine à Mr. Zane Schweitzer, qui selon nous, fait partie des riders les plus créatifs du moment. On peut affirmer qu'il fait avancer son sport, comme l'a fait en son temps son grand-père, Oil Schweitzer, co-inventeur du windsurf avec Jim Drake dans les années 70. Et pour finir, on se quitte avec une belle prod réalisée par le non moins très bon Vibes Lab. On y retrouve le surfeur Adrien Toyon de passage sur l'île de La Réunion. Notez l'intro très originale. Et même si l'édite date de quelques mois, quand on sait que l'île est infestée de requins, ça fait froid dans le dos. Sur ce, à plus et bon ride. Allez, si t'es un rider, abonne-toi.